concernant l'entrée, je suis à nouveau à la JRA pour un entraînement en roping pour Equipe Blues, encore une fois. Donc l'année dernière, pour ceux qui ont suivi, ça s'était vachement bien passé. On avait réussi à faire à la fois nos challenges et même plus vu que Philippe Lafond m'avait invité lors de son rodéo. Cette année, on a décidé d'intensifier un peu l'entraînement. Et cette année, normalement, au lieu du stair-stopping, je devrais arriver à faire du team roping. Donc ce matin, premier entraînement, c'était vraiment très pointu. On a repris certaines bases et qui m'ont permis, on va dire, de voir le roping un peu différemment, puis de faire des choses vraiment sympas. Donc pour ça, merci à mon coach Jordan. D'ailleurs, Jordan, dont la JRA décide de me suivre et de me devenir partenaire cette année, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai toujours bien sûr les mêmes partenaires, donc le Spike Café qui me fait très plaisir en revenant cette année. Il y a des sponsors qui continuent à me suivre, comme également Julie Pla, la photographe, Mackie Ross et bien d'autres encore. Et un nouveau aussi Bricomarché qui cette année n'y est pas allé de même, donc je le remercie vraiment de tout cœur. Parce que ça fait vraiment plaisir des gens comme ça qu'on ne connaît pas, puis qui nous laissent notre chance au premier abord, et parce que juste on a fait bonne impression, et vraiment c'est très sympa. Donc comme je disais, un entraînement qui était vraiment sympa, puis là on attend l'entraînement du soir sous la pluie, donc c'est la première fois que je vois la pluie ici. L'année dernière on fondait devant la caméra, on n'en pouvait plus, et là c'est différent, on attend le beau temps, donc j'espère qu'il ne fera pas tarder. C'est vraiment simple. Donc ce matin, entraînement sur le dummy, donc on s'est entraîné tout simplement à pied, à entraîner, à bien travailler le swing et tout ça. Donc ça, ça m'a rappelé des bases que j'avais oubliées pendant la saison, donc ça c'était assez sympa. Toujours aussi la hylomatique, donc la hylomatique c'est le simulateur de vache, donc ça c'est bien aussi parce que ça permet d'adapter complètement le travail du cheval et du cavalier, de remplacer la vache en fait et de faire à peu près faire ce qu'on veut au cavalier. Et puis ce soir, on va vraiment passer sur les stirs là, donc sur les vaches. Et puis normalement, ça devrait bien donner. Et puis de toute manière, j'ai encore toute la semaine pour apprendre, pour progresser. Et puis normalement, pour montrer un joli truc à Equipe Blues. Et puis j'espère, pourquoi pas, performer cette année. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, merci à tous mes sponsors. Merci à vous qui me suivez. Et puis à la prochaine vidéo, car j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ciao à tous.